avant que tu aies un don puissant, et d'abord un bon caractère. Ceux qui paraissent en premier lieu, ce ne sont pas les fruits, ce sont les feuilles. Aujourd'hui, les gens aiment les fruits, ils n'aiment pas les feuilles. Les feuilles qui est symbole de nos caractères, de notre personne. Il ne faut pas que les gens t'aiment à cause du don. Il faut que les gens t'aiment à cause de ton caractère. Parce que s'ils trouvaient une autre personne qui a un don puissant, plus que toi, ils te fuiront. Ce qui peut maintenir les gens à tes côtés, c'est ton comportement, c'est ta nature. Sois bien avec tout le monde. Si les gens t'aiment à cause du don, tu es malheureux. Si les gens t'aiment à cause de la grâce, tu es malheureux. Si les gens t'aiment à cause du prophétique, tu es malheureux. Si vous m'aimez à cause de mon don, je suis malheureux. Parce que quand tu viens chez moi, je dois te présenter mon caractère. Je ne serai pas tout le temps en train de te prophétiser. Je dois te présenter mon comportement. Je dois te parler avec gentillesse. Et si tu constatais que je suis gentil, tu m'aimeras encore plus.